jamais payé par TikTok. Mais c'est ce que toi-même tu vas faire maintenant de toi là que TikTok va prendre en compte pour accepter ta monétisation puis te monétiser ton compte. Donc commence déjà dès maintenant à faire maintenant des vidéos de toi-même et que voilà, tu peux mettre une chanson, bien même tu mets une photo de quelqu'un et puis tu parles, tu dis ben voilà, si tu veux pas montrer aussi ton visage, tu peux te cacher comme, tu vois, comme là, comme ça, tu mets le truc et puis tu parles, tu dis ah non, le petit, tu vois. Rien que ta voix déjà, si ta voix même soit déjà dans la vidéo, c'est bon. Parce que Je TikTok, parle, je peux apparemment, ils mettre le une connaissent. photo, je peux parler quoi. Voilà, tu peux parler. Et puis tu parles, et puis voilà. Cette vidéo, elle peut être monétisée. Ok, bon, on va essayer, hein, c'est un autre tad. Voilà, faut essayer. Faut essayer. Ben, TikTok, là, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Les Bonjour. vidéos. Bonjour. Moi, je pensais que tu étais chef là-dedans. Déjà, tu es bleu comme moi ici. Qui ça? Bleu, Tango. je travaille gratuitement depuis. Ouais, il travaille gratuitement, hein, tu as vu? Tu es bleu comme moi ici. Ah, bon. J'ai que des centimes là dans mon compte ici là. Oui, moi-même, j'ai vu que j'avais un petit 2 euros quelque part là. J'ai dit, comment on fait pour récupérer l'argent? D'où ça sort les 2 euros? Voilà. Et puis même si tu fais un live comme ça, regarde les lives aussi, tu mets les vidéos des lives aussi, c'est monétisé. Quand tu Bonjour tout fais. le monde, hein, désolé. Ouais, c'est pas grave là, c'est bonjour Koussou. Quand tu fais les lives, comme la dernière fois, j'ai fait les lives de comment il s'appelle, congélateur, j'ai mis les lives là, parce qu'après, les lives sont enregistrés. Quand tu vas sur ta page, tu pourras faire des coupures de ces lives-là. Et puis, tu partages ça sur ton compte TikTok. Parce qu'il y a les voix des gens qui parlent dedans. Donc, tu t'envoies que c'est des voix qui sont naturelles, qui sont originales. Donc, il pourra aussi te monétiser aussi. Ces lives-là, parce que ça vient de ton compte aussi. Ok, donc les lives que je fais, là où les gens ils papotent et tout, là je peux republier, ça va compter quoi. Voilà. Il faut aller, quand tu finis, tu vas dans ton compte là où il y a un truc de live, tu cliques dessus. Et puis, tu pourras enregistrer les parties qui t'intéressent là pour pouvoir mettre ça sur ton compte. Parce que j'ai Et vu que là, il tu est cliques à obligé de plusieurs. faire un petit commentaire là-dessus, non? Ouais, non, il peut écrire un mot seulement. Il peut Ah, écrire, d'accord. voilà, c'est-à-dire, il peut écrire un commentaire et puis mettre sur la vidéo s'il veut. Voilà, mais il ne peut pas rajouter quelque chose dessus lui-même avec sa voix. Okay. Bon, bon, je lance des lives. Bon, il y a pas grand monde, bon, il y a pas grand débat. Bon, c'est moi, je débute, donc c'est normal qu'il y a personne qui vient. Mais deux fois, je tombe sur des gens, on discute, et deux fois, là, j'arrive à attraper des gens. Les gens, ils sont là, ils discutent. Voilà, on sait jamais. Donc, après, faut juste que voilà que je. Et puis là, je te donne un conseil. Là, actuellement, c'est le petit qui a vraiment assez de visibilité, c'est lui qui est là. Donc, tu prends, c'est-à-dire, tu as sa photo, tu fais une vidéo dessus. Si tu veux mettre, tu mets une musique comme ça, si tu veux pas parler dessus, tu mets la musique parce que même avec la musique aussi, ça peut Tu n'as passer pas par muté Facebook. Akala, s'il te plaît. Pas muté Akala, Voilà, il est dans vraiment. un coin, oui. Voilà. On peut faire ça. Vraiment. Donc, tu peux prendre la photo du petit, soit tu fais un commentaire dessus, tu parles, tu dis, soit, voilà, ça dépend de ce que tu vas dire. Ou bien tu mets une musique dessus, voilà, ça aussi c'est bon. Généralement, je prends les musiques de TikTok parce que quand tu prends ta musique Non, les musiques de derrière, TikTok, on a tout sur TikTok, hein. voilà, Si et tu quand tu prends demandes la de la musique personne, extérieure, ça voilà, passe le. pas, ils te mutent. Non, 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 il y a des. Parce que, tu sais, il y a des musiques qui ne sont pas. Comment on appelle ça? Quand tu mets droit d'auteur, quand tu n'as pas le droit d'auteur sur la musique, TikTok mute la musique. Donc, ça veut dire que cette musique-là, tu n'as pas le droit dessus. Alors que sur Facebook-là, TikTok ne mute pas la musique totalement. Il te dit que non, dans certains pays, ils ne vont pas écouter, ils ne vont pas entendre la musique, mais dans d'autres pays, ils vont entendre. Alors que si tu t'enlèves, tu enlèves la musique carrément. Ah, Parce que voilà, il te mute et ta vidéo n'a pas voilà, il n'a pas de vue. Voilà. de Alors, voilà. Alors que si tu prends, on ne sait jamais, parce qu'il y a des vidéos, quand tu vois sur les pages des autres, elles ont toujours la même chanson dessus. TikTok n'enlève pas cette musique-là. Donc, quand tu vois, tu peux mettre dans favori. Tu cliques sur le petit truc carré qui est en bas, tu mets dans favori, ça va dans ton brouillon et dans ton truc C'est ça favori. que je fais. parce que Voilà. c'est Puis, compliqué, hein, c'est excuse-moi, compliqué. Tina. Et puis, TikTok, ils sont très, très souples. Hein. C'est-à-dire, on met des chansons qu'on kiffe, les Tim Pia, les Jadju. Moi, sur mon compte YouTube, là. À part les sonneries de piano, des trucs comme ça, tu peux rien mettre. Hein? Dès que tu mets les djadjous, les nananas, droit d'auteur, c'est fini, on t'entend Oui, plus. oui. Non, ça, parce que ce n'est pas toutes les musiques. Hein. Il y a d'autres, ils acceptent, d'autres, ils n'acceptent pas. Tu vois? Moi, regarde, j'ai une vidéo qui a fait 1 million de vues. Même 5 francs, mais je n'ai pas touché dessus. Le chanteur qu'on appelle le chanteur Zouglou, là. Comment il le Mercure du Zouglou. Sa page, même, j'ai épinglé sa chanson, là. 1 million de vues. Imagine que si c'était moi-même qui avais fait cette vidéo, 1 million de vues, j'allais avoir beaucoup d'argent. Parce que quand ça fait 1 million, là, ça devient beaucoup, en fait. Parce que 1 000 vues, là, ça fait centimes. 1 000 vues, ça fait centimes. Ça fait même pas 1 euro. Voilà. Donc, quand ça fait 1 million de vues, ça devient beaucoup encore. Mais cette vidéo, comme elle n'est pas originale, tu t'as dit qu'elle n'est pas originale, donc il a enlevé ça mes pages mes vidéos qui sont monétisées. Du coup, je ne touche rien dessus. Voilà. Tu vois? Donc, évitons de faire les vidéos qui ne sont pas vraiment originales, qui ne viennent pas de nous-mêmes.
Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que même si tu es monétisé, tu peux faire des vidéos, mais si elle n'est pas originale, TikTok décide de ne pas monétiser cette vidéo-là, là. C'est ça, hein? Voilà. Mais sauf que quand ta page n'est pas encore monétisée, que tu fais tes vidéos qui ne sont pas originales, TikTok ne pourra jamais accepter la monétisation. Tu vois? Parce que toi, c'est ta première fois. Donc, déjà, il faut que TikTok accepte de te monétiser ton compte. Après, maintenant, tu pourras faire. Mais sauf qu'il ne pourra pas te payer ces vidéos-là. Mais tant qu'il ne t'accepte pas, tu peux pas. Alors que si tu veux qu'il t'accepte là, faut faire des vidéos qui viennent de toi d'abord pour qu'il puisse t'accepter. Maintenant, après ça, là, si tu veux, tu peux faire un mélange de vidéos des autres, puis toi-même, tu mets aussi pour toi dedans. Parce que s'il y a plus de vidéos qui ne viennent pas de toi, il va t'envoyer un message tout de suite pour te dire que la vidéo que tu as mise là n'est pas éligible. Voilà, donc c'est disqualifié de tes vidéos qui sont qualifiées de lui. Donc, il disqualifie la vidéo tout de suite et puis il ne te paye pas la vidéo. Donc, il faut éviter de faire vraiment des vidéos qui ne sont pas originales. Parce que plus il y a assez de vidéos qui ne sont pas originales, à force de te disqualifier, si tu te disqualifies 5 fois, il peut même te bannir de sa monétisation, en fait. Hey. 5 fois haut. Ouais, 5 fois, ouais. Donc, il y a beaucoup de choses, vraiment, il faut faire attention. Parce que moi, ils m'ont banni. Au début, ils m'ont banni comme ça, à force de mettre des vidéos des autres. Et puis après, bon, quand j'ai compris le système, j'ai dit, bon, là, je ne fais plus les vidéos des autres. Maintenant, moi-même, je fais moi-même mes vidéos. Et puis c'est bon, TikTok a arrêté maintenant d'envoyer les messages pour dire quelque chose. Mais je mélange, hein. La dernière fois, j'ai fait pour Emma l'Ouest. Mais quand ce n'est pas beaucoup, ça va. Tu vois, il ne faut pas dépasser le quota. Tu peux mélanger un peu de temps en temps. Nous qui dansons seulement de temps en temps, on fait des petites vidéos vite fait, des trucs là, donc ça peut pas fonctionner. Faut absolument qu'on parle. Non, ça peut fonctionner. Quand tu... Mais le souci, c'est Si, quoi? ça fonctionne. Ça Ça marche dans fonctionne. les danseuses. Les danses fonctionnent parce que c'est toi-même tes vidéos, en fait. Mais quand tu parles beaucoup là, c'est encore plus bien payé que quand c'est toi-même tu danses, en fait. Quand tu mets la musique de quelqu'un, puis tu danses dessus, puis quand tu fais une vidéo, tu es en train de parler. C'est-à-dire là où tu parles dessus là, c'est encore plus même bien payé que quand tu danses seulement sur une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Attends, grave, c'est Il enregistre, ton Oui. son et comme ça Mais il peut ça, parler. voilà, il enregistre ta voix et puis lui-même là, il sait que c'est toi qui es en train de parler, tu es en train de faire une vidéo, tu parles. Attends, tu vois Donc ça c'est cette pour vidéo la est musique. bien payée que quand tu mets une chanson, par exemple, il y a quoi José, tu mets une chanson de José, tu danses dessus, et puis tu prends une vidéo, tu es en train de parler pour dire, eh, non, le petit là, il est fort, non, voilà. C'est-à-dire entre la vidéo où tu as dansé et puis la vidéo où tu as parlé. Peut-être la vidéo va te payer 1 euro, puis la vidéo où tu as parlé peut te payer 5 euros. Mais comment on fait pour faire cet amalgame-là, ce mélange-là? Hein? C'est le TikTok. Pour faire Pas ce grâce, mélange-là, quoi? il faut déjà avoir 10K. Là, tu n'as pas 10 000 abonnés. Non, même pas. Voilà, il faut avoir 10 000 abonnés. Et après, quand tu as 10 000 abonnés, c'est-à-dire, là, je sais que tu as plus de 18 ans, c'est bon. Maintenant, tes vidéos-là, TikTok, c'est quoi son truc? Là, tu vas faire la monétisation. Tu vas lui demander que tu veux monétiser ton compte TikTok. Il va aller maintenant faire le calcul de tes anciennes vidéos. Malgré que tu as les 10K là, il va aller faire les calculs. Si tu ne fais pas 100 000 vues là, il ne peut pas accepter même ta monétisation. Il va dire que non, tes anciennes vidéos que tu as faites dans le passé ne font pas 100 000 vues, donc il n'accepte pas la monétisation. Il Maintenant, est fou. au fur et à mesure que tu as fait là, malgré que tu as les 10K là, au fur et à mesure que tu as fait les vidéos, tu as fait les vidéos régulièrement, tu as encore refait encore la monétisation, la demande encore. Il va faire les calculs, il va voir que maintenant, tes vidéos font maintenant plus de 100 000 vues. Là, maintenant, il accepte aussi ta monétisation. Mais malgré que même que tu peux avoir 10 000 cas, il peut toujours te refuser la monétisation. Parce que tes vidéos ne font pas encore 100 000 cas. 100 000 vues. Ouais. C'est du boulot, hein. Ah oui, c'est du boulot, hein, TikTok. Il faut avoir 100 000 vues. 100 000 vues. Mais j'ai dit que non, l'argent ne gagne pas ça facilement. Dans toutes les circonstances, on ne gagne pas ça Ah, facilement. d'accord. Ah bon. Les gens pensent que la vie, là, c'est du jeu. On ne gagne pas, hein, facilement comme ça. C'est pourquoi les petits qui ont les 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions, ceux-là même, là, ils sont riches. Là, le mois même, ils peuvent se trouver, mais c'est même pas à plus de 2 000, 3 000, 4 000 euros là-bas. Mais les petites vidéos que nous, on fait là, c'est pas bien. Oui, après, il y a des gens qui ont complètement arrêté tout, qui vivent que de ça. Donc, ils arrivent à faire des contenus Voilà, c'est créés. ça. Comme, tu vois, comme la coach comme ça, elle, vraiment, c'est son travail, tu vois. Donc, elle-même, c'est sûr même que quand le mois finit, elle a son salaire tranquille. Ah là, elle a le vrai gem même. Elle dit tout Voilà. mon corps qui se casse, qu'on va casser là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle gagne. Ah, bon. Donc, c'est ça un peu. Faut vraiment... On vous a pu entendre que maintenant, à partir de 1 000, Oui. 1 000 followers, tu peux monétiser. Non, qui t'a dit ça, 1 000 followers? Il fait beaucoup de publicité là-dessus, là, partout, partout. Non, à partir de 1 000 abonnés, tu peux faire des vidéos, des lives. Tu peux monter dans Oui, live. autre chose. Mais la monétisation, tu peux pas, hein? Aïe, olé.
1000 abonnés, parce qu'en France ici, si tu n'as pas 1000 abonnés, tu ne peux pas monter dans un live. Tu ne peux pas faire de live. Alors que quand tu as les 1000 abonnés, tu peux monter et puis faire des live. Maintenant, moi, j'ai une autre question sur les agences là. Voilà, il y a les agences aussi. Faites attention, il y a beaucoup d'agences aussi. Il y a des agences aussi qui sont bien, il y a d'autres qui sont pas bien. Mm-hmm. Parce que là, avec le cuit Lolo là, là, moi, j'ai peur, hein, mon cœur tremble. Pourquoi? non, mais si tu postes les. Tu vois quoi? Si tu postes ça là, c'est chaud pour toi quand même, non? Ah oui, la vidéo non? Où les filles dansent là? Oui, les vidéos, oui, quand les filles dansent là. Je ne peux pas poster ça. Ouais, fais attention. Mais il y a des gens qui postent ça sur TikTok, je ne sais pas comment ils font, mais ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait oui, des gens. Oui, il y en a, ils postent et c'est là, hein, ça reste. Hein. Ouais. Il y a d'autres, ils ont ça. Hein. Moi, j'avais posté une vidéo où il y avait une femme dans le temps qui insultait une autre dame, mais des injures, mais pas possible. Et TikTok m'a disqualifié la vidéo, puis ils ont dit non. En plus de ça, ils m'ont envoyé un avertissement. On m'a dit que la vidéo était très violente. Je ne sais pas s'ils ont signalé cette vidéo, mais en plus de la disqualifier, j'ai eu un avertissement. Il a supprimé la vidéo même automatiquement. Donc, faites très attention. Fais attention, parce que là, je fais mes montages, là. Pour masquer tout ça, là, c'est compliqué. Non, comme toi, tu veux monétiser ton compte, non, toi-même, tu dois faire attention beaucoup, même beaucoup, même. Parce que quand tu veux monétiser ton compte là, toi tu as déjà les 10K, non? Tout moi déjà, je suis éligible. Hein? Ah, donc, tu vois, c'est que les vidéos sont moi qui te restent à chose. Faire quoi? À mettre à jour. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention à tes vidéos que tu mets maintenant sur tes pages. Sur ta page TikTok, c'est tout. Dis-moi, franchement, avec Cui Lolo là, j'ai peur. Non, faut pas mettre ça, mais moi je te conseille pas ça pour l'instant. Si tu veux, tu mets peut-être où on ne montre pas trop le culolo, où la fille est vraiment, voilà, pas trop nue, pas trop chaude. Tu peux mettre et puis faire un commentaire dessus, voilà. Mais vraiment, il ne faut pas mettre où elle est en train de montrer tout, là. Voilà. Les gens même peuvent te signaler même déjà. Parce qu'il y a des gens qui signalent les vidéos hein, quand ils viennent. Il y a dit, depuis là, ma soeur, elle a fait, comment faire pour faire les trucs? Envoie des roses. Je te dis, hein. C'est pas grave, non. Moi, avant de monter, de monter ma chose, je lui ai envoyé les roses. Je dis quoi. Ah, d'accord, je vois ta tête en haut, c'est bien. Merci à Sarah. Voilà, voilà les morons capables maintenant qui t'envoient des roses. Merci beaucoup, mon élément. Merci. Et puis, il y a un truc aussi, même, là. La dernière fois, là, excuse-moi, FIET, je ne savais pas. Ils ont envoyé l'argent là. Car quand ils envoient, il y a un délai. Si tu ne retires pas là, c'est fini, tu ne peux plus retirer. Ça va être moins cher. Il faut quoi? Il y a un délai de retrait. Ma soeur, jolie mine. Tu vas bien? Il y a un délai de retrait. Moi, il ne savait pas. Il n'est pas retiré. Il est perdu. C'était beaucoup. Non, heureusement, ce n'était pas beaucoup, non. On allait faire le palabre ensemble. Viens t'accompagner. On peut faire ça. On peut faire ça. Quand je fais le palabre, je lui donne mon gay. C'est ça même. Mais toi, tu ne veux pas qu'on voit ton visage là. Comment tu as fait? T'as dit quoi, maman? Mais si, je vais poster des vidéos avec mon visage, tout ça, t'inquiète. De toute façon, j'ai déjà posté mon visage, j'ai déjà fait des interviews, tout ça. Quand je parle aux gens, là, qui sont dans les problèmes, là. Moi, je poste une photo de moi qui c'est moi qui parle, tu vois. Ma tête est dessus depuis, hein. J'ai dansé même, j'ai dansé sur mon compte. C'est juste que comme il y a tellement de personnages, les gens ne savent pas qui je suis. Mais oui, tu changes, tu peux mettre tel star, c'est plus qui est. Voilà. En fait, Chaïwan, il veut garder le mystère. Toi-même, mystère, si c'est un jus. Il a mis photo des stars là, son. Bon, Tina, faut dire à tes abonnés de s'abonner à moi. J'ai arrivé aux 10 000. Tyron, faut dire à tes abonnés. Abonnez-vous à la chaîne. Faut dire à tes abonnés. Tout le monde, abonnez-vous à moi. Abonnez-vous à vous. Quoi? Avoir 10 000 Pour avoir plus d'abonnés, toi, faut t'abonner aux gens qui n'ont pas assez d'abonnés. Comme ça, ces personnes te font le retour. Parce que ceux qui ont assez d'abonnés, là, tu t'en vas. Hein? Abonnez-vous à ma soeur pour que tu aies avoir les bonnes. Tu as raison, c'est vrai, ça fait. Tu as coussé, moi, je suis abonné. Tu as mis l'abonné là. Toi et moi, on est abonné depuis. Toi et moi, voilà. Je veux pas t'en faire. Hein. Justement, j'ai regardé si j'étais abonné à toi. Et puis, j'ai vu que t'es abonné, donc c'est bon. On est abonné, chérie. La soeur Koussou, comme toi, tu n'as pas. Ton compte n'est pas encore éligible là. Parce que moi, ce que je faisais dans le temps, quand j'avais pas encore les 10 000 cages, mon compte n'était pas éligible là. J'ai importé beaucoup les vidéos des stars, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a une vidéo qui donne beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, je faisais les enregistrements et puis je mettais ça sur ma page. Parce que quand tu as une vidéo que quelqu'un n'a pas encore vue là, et que les gens viennent regarder sur ton compte, ça te donne aussi beaucoup d'abonnés aussi.
Ma petite soeur, tout de suite là, j'étais en train de poser à elle, celle qui m'a montré, hé hey, Gaou, celle qui m'a montré tout de suite là qu'on fait enregistrement importé et puis on va Voilà. diffuser. C'est elle qui m'a montré ça tout de suite avant que je monte sur ta page. Ah, tu as dit que tu Parce savais qu'elle a pas. fait un coup de José là. Elle dit, ah Marie, regarde combien de vues j'ai eu. Je dis, mais tu as pris ça où? Elle dit, sur Snap. Je dis, mais je suis abonnée à elle sur Snap. Voilà. Mais comme je ne vais jamais dessus, elle m'a montré. Elle dit, ah, ok, c'est Ouais. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, c'est ce que je faisais avant. Elle a eu combien d'abonnés? 40 abonnés, non? Maintenant, je ne peux plus faire. Il y a la vidéo Abonnée en 24 heures. de Mercure, là. Le Mercure du Zouglou, là. Lui, sur sa vidéo, m'a donné 1000 abonnés. La vidéo de Mercure du Zouglou. Donc, j'allais prendre sur ta page. Non, les gens ont déjà vu. Tu ne peux pas. Même si tu penses que Ah, tu peux. d'accord. Voilà, on appelle ça le partage d'informations. Parce que tu vois, des fois, les gens sont sur Facebook. Ouais. Les vidéos qu'ils postent sur Facebook, ce n'est pas sur TikTok. C'est ça. Donc après, moi, je vais sur Facebook, je prends la vidéo, je prends ce qui m'arrange, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse les gens, enfin, ce qui m'intéresse déjà. Et après, je poste, moi, ma partie, quoi. Mais sur TikTok. Parce que comme c'est que sur Facebook, donc sur TikTok, ils n'ont pas l'information. Donc pareil sur Snap, moi, je ne suis pas sur Snap. Donc tout ce qui se passe sur Snap, moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. C'est ça. Donc si toi, tu mets sur TikTok, après, moi, je vais savoir, ah, d'accord, elle a dit ça. Inès. Bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Ça va, on est là pour parler Ça va. Bonne fête de Pentecôte à tous pendant qu'on y est. Ouais, merci en Merci à parler à toi aussi. Bonne fête. Merci. C'est qui ça? Qui a monté En fait, moi, j'ai dit Facebook là, et TikTok là, il faut avoir l'esprit de créativité si tu veux Ouais, avoir c'est l'argent ça de même. chanter. C'est-à-dire que tout ce que tu postes, ça doit venir de toi-même, tes idées. Quand c'est comme ça, tu vas gagner plus d'argent. Mais si c'est pour à tout moment prendre vidéo des gens ou bien tuer des gens pour mettre là, c'est vrai, tu vois, mais ça serait un peu chose quoi. Raison pour laquelle tu vois les gens, ils font des troupes même en famille, ils se créent une équipe de comédie là, chez eux, à tout temps. Oui, ah, mais c'est ça, hein. Quand c'est comme ça, tu es l'auteur, c'est toi qui crées ta chose. Donc le paiement, il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà. En plus de faire rire les gens, en plus d'amuser la galerie, tu reçois quelque chose en retour. Voilà. Tina, Oui. je voulais parler d'un Pour la vie. On vous écoute, madame. On vous écoute. D'accord, je voulais parler concernant bébé Nika. Bébé Nika, ok, on vous Voilà. Bon, moi, je peux dire que hier, moi, j'étais sur son direct. J'ai même partagé à mon chéri. Ah, tu as bataillé à ton chéri, tu n'étais pas à lui. Parce que lui, nous ne sommes pas dans la même ville, au fait. Ah. Voilà. Donc, Ok. j'ai partagé, je l'ai demandé derrière le direct ensemble. Ouais. Je veux dire que. C'est par rapport à les gens qui critiquent du genre pour dire ce que l'enfant fait, ce n'est pas l'effet de société et tout ça. Je voulais expliquer un truc que j'ai vécu, que j'ai vu, quoi, que je voulais expliquer. C'est-à-dire que mon fils devait passer le BPC. Tu vois? Donc lui, il vit avec son papa. Il vit avec son papa. Parce que moi, je suis en Allemagne. Il vit avec son papa. Parce que moi, je suis encore en Afrique, quoi. Il vit avec son papa. Donc, du coup, j'ai parlé avec sa marraine. J'ai dit à sa marraine, ah, je voudrais le voir. Donc, on a fait. Un petit rendez-vous, il ne savait pas que je venais. Tu vois, donc c'est comme ça, je suis tombée sur lui, donc j'ai consulté son téléphone parce qu'il devait passer le BPC. Voilà, donc je lui ai dit de me donner son téléphone pour qu'il puisse se concentrer. Donc j'ai pris le téléphone et puis je lui ai demandé le code de son téléphone, puis son IP. Il m'a tout donné. Donc j'ai fait la journée avec lui, je suis rentrée. Et puis je suis rentrée, bizarrement, j'étais couchée, puis j'ai vu comme ça, il me connaît sur son téléphone. Tu vois, je me connais. Je vois une petite fille. C'est qu'elle n'y a pas même fait, mais que les gens parlent à même. Il y a des gens, mais il y a des petites filles de 15 ans qui font des choses en privé, mais que les parents ne savent pas. Seigneur. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, on doit donner l'éducation à nos enfants. Je ne sais pas ce qui se passe sur l'éducation à la famille. Donc, je prends le téléphone, je prends de regarder. Je vois la petite fille à partir de minuit. Elle s'est vue. Elle s'est vue. C'est-à-dire qu'elle ouais, elle fait des vidéos où elle les commente, elle se confie, elle met son story WhatsApp. Et puis Tu elle envoie comprends? ça à ton fils, quoi. Non, elle n'a pas envoyé, elle met son story WhatsApp. Ah! Tu vois?
Tu vois la petite main de tout en story WhatsApp. Ça, moi, j'ai son téléphone. Je regarde. Il dit, ah. Il dit peut-être que c'est une vidéo que j'ai publiée. Il dit, ah, dans cette salle, mon fils a l'habitude de regarder ça. Donc, je me pose plein de questions. Dit, ah, c'est quoi, et puis, ça? La petite, là, faisait partie des amis de ton fils. Oui. C'est WhatsApp. Donc, du coup, il a son numéro. Ah ouais. Tu vois? Donc, du coup, je laisse le lendemain encore. Je vais à la même heure. Elle continue de publier encore d'autres vidéos. C'est-à-dire que c'est elle, mais d'autres. Elle crée toujours. Donc, je demande à la petite, je l'ai écrit. Elle dit, ça va? Elle dit, oui. Il dit, ça va, tu peux lui. C'est moment de crise. Je lui ai demandé, tu as quel âge? Mais je lui ai demandé, tu as quel âge? Il dit, tantôt, ils sont en cinquième. Je lui ai dit, tu as quel âge? Son âge. Il dit, c'est tes parents savent que tu fais ça. Mm-hmm. Comment tu fais des vidéos comme ça, tu publies? Donc, du coup, moi, mon fils, il est pas mon fils. Elle a commencé à me demander pardon. Maman, pardon, je te demande pardon. Je ne vais pas dire à mes parents. Il dit non, non, non. Alors, il faudrait que tes parents soient informés. Uh-huh. Donc, moi, il y a vu la vidéo depuis deux jours, le lendemain, maintenant. Moi, je débatte pour quand je vais croiser mon fils. Il demande, tu connais cette fille-là? Il dit, maman, nous sommes là, nous sommes dans le même établissement. Uh-huh. Il dit, ah bon, il dit, donc, tu regardes cette vidéo. Il dit, quelle vidéo? Il dit, mais à partir de minuit, la fille qui dit ses cheveux. Il dit, ah maman, moi, je ne vois pas. Il dit, il y a un ami qui m'a parlé de ça. Et la fille fait ça, mais moi, je n'ai pas encore passé. Moi, à partir de 20h, mon papa prend mon téléphone. Mm-hmm. Voilà, à partir de 20h, papa prend mon téléphone. Quand je quitte à l'école le lendemain, il me redonne le téléphone. Donc, moi, je demande à son papa. Son papa lui dit que j'ai l'habitude de prendre cette téléphone à partir de 20h. Mm-hmm. Donc, je lui dis, accompagne-moi chez la fille. Tu vois, non? Mm-hmm. Accompagne-moi chez la parole de la fille. Donc, il m'a accompagné. La petite, elle n'était pas à la maison. Il y avait une petite fille comme, hey, non! Mmh. Il est venu, mais il y a une lame. Il me dit, pendant ce temps qu'elle faisait, c'est moi, j'ai enregistré les vidéos sur WhatsApp. Mmh. Avec le numéro à la petite. C'est-à-dire que la petite, même de 1, elle a un téléphone WhatsApp, même si ses parents ne savent même pas qu'elle a un téléphone. Ah, tout ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont donné le téléphone, c'est fini. Eux, ils ne surveillent plus la petite même. Ils ne surveillent plus, merci. Ils ne surveillent plus. Non, moi, depuis, là, mon fils, d'accord, quand c'est des gens, tu regardes. Après, il te dit, c'est un jongolo que tu vas utiliser. Je ne sais pas qu'il a payé un jongolo 15 000 euros. C'est que moi j'ai vu la smartphone, tu peux plus avoir ça encore, c'est fini. En tout cas. Tu vois, non? Donc du coup là, c'est vrai que le petit fait ses choses, mais c'est nous, maman, d'a donner l'éducation à nos enfants à la maison. Parce que bien que Nicapa lui fait ses choses, les enfants viennent danser. Mais est-ce que vous savez, est-ce qu'on sait ce que les enfants font en privé? C'est ça. Ils font pire même que ça, que ce que Nicapa même fait. Une petite même qui dépose sa caméra, si c'est profite, puis qui partage ses amis, regarde en story. C'est grave. C'est grave ça. C'est même très très grave. Moi, c'est pas que quand j'ai dit à ses parents, ah, franchement, je vais pas vous montrer les vidéos, tout et tout, mais franchement, votre fille a un téléphone, si vous pouvez prendre son téléphone, c'est mieux de prendre le téléphone de la petite, parler beaucoup avec vos enfants, avec votre fille. Mmh. Elle fait des choses très dangereuses, très très graves. Mais je vais pas montrer la vidéo pour ne pas vous choquer. En tout cas, moi-même, j'ai un témoignage, mais que j'ai oublié. Je vais pas montrer la vidéo pour vous choquer. Mais elle a un téléphone. La petite, je dis, elle a un téléphone. Je lui ai donné le téléphone. Elle a parlé de choper la petite. Ça a pris le téléphone maintenant pour donner le téléphone à ses parents. Tu as vu ça? Elle dit, moi-même, là, un enfant de 7 voilà, ans. C'est un peu ça. 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans, là. Elle fait chantage à son copain. C'est-à-dire au fils de ma copine. Et elle lui envoie des trucs qui font peur, les images. On ne sait pas où elle enlève. Pour dire que si tu continues là, c'est comme ça, il va te rendre. C'est comme ça que tu vas devenir. Elle envoie des trucs bizarres à l'enfant de ma copine. Pourtant, quand ils vont à l'école, l'enfant ne lui fait rien. Mais elle faisait chantage au petit là dans le téléphone. Et puis elle dit, si tu dis à tes parents, tu vas voir comment je vais te rendre. Puis elle envoie les trucs des sorciers, les trucs bizarres qui font peur là. J'ai dit, le petit là, était traumatisé. Les enfants de 8 ans, 7 ans, 8 ans. Jusqu'à un jour, sa maman a pris le téléphone. Quand elle a fouillé, là, elle voit le message de la petite là. J'ai dit, des images qui font peur. Jusqu'à la paix, son fils. Mais c'est quoi? Pourquoi elle t'envoie ça? C'est maintenant son fils, elle va expliquer pour dire que non, j'ai rien fait, mais fait du chantage. Si je te dis là, voilà, c'est comment elle va me rendre. Quel est là le pouvoir de me rendre comme ça? Donc, les trucs des enfants là, on doit les surveiller, même à part réseaux sociaux là. On doit même les surveiller. On n'a pas même besoin d'attendre réseaux sociaux pour les surveiller. Parce qu'entre eux-mêmes à l'école, là, c'est qui se font là-bas. Mais la petite mère, elle est comme même en même. Il dit, ah, c'est pas du jeu, hein. À l'école, c'est qui se passe à l'école.
Mais nous sachons très bien que nous sommes condamnés en quelque sorte, et sur Dieu pourra nous épargner. Ah oui? Depuis l'avènement des réseaux sociaux, là, on ne peut plus rien faire. Hein. Franchement. Salut, salut. Bon, les enfants même là. On a peur. Comment les enfants de 7 ans, 8 ans, ils vont te parler de tablettes de chocolat, ils vont te dire non, lui elle n'est pas grand, lui elle n'est pas ceci. Les enfants de 8 ans, 8 ans, 9 ans. Ils connaissent tout ça déjà. Bon, ouais, vous voulez intervenir? Vous voulez intervenir sur un sujet que la notre soeur qui vient de dire tout à l'heure là. Ouais. Allô. Allô, bonsoir. Jean-Luc, attends, il y a le frère qui attend. Ok, ça marche, ok. Vas-y, Max, on t'écoute. Là où elle a dit que nous devons surveiller nos enfants, là. Parce qu'il y a les choses qui se font, bon, on doit les surveiller du près. Bon, si c'est l'enfant qui est là, là, c'est comme la femme, hein. Excusez. Si tu veux trop le surveiller, là, probablement, là, toi-même, là, tu serais étonné. Mais pour moi, je pense bien, c'est de se mettre au même niveau avec eux. Voilà, dans les éducations, faites de eux, genre, notre partenaire, comme des amis. Quand c'est comme ça, je pense que ça serait facile de pouvoir, lorsqu'il y a la communication, quoi, entre les enfants, et le prendre comme, au fait, te rabaisser à son niveau. Voilà, le prendre comme un ami, échanger, ça serait facile que ton enfant ou bien notre enfant puisse se confier à nous, au fait. Et il y a certaines choses qu'ils ne vont pas nous cacher, ils vont nous dire. Mais si tu veux trop surveiller l'enfant, bah moi aussi, là, tu risques de le perdre. Ouais, ouais. Parce que il va venir à la maison, il sait que ah, maman me surveille trop bien, il y a trop de pression. Là. À la maison, elle est tranquille, mais au dehors, là, c'est autre chose. Internet, là, il y en a partout. Il y a d'autres, mais il y a les camarades qui ont les téléphones. Hein. Mm. Ils se font des choses entre eux, des amis. À l'école. Non, souvent, c'est pour l'été, mais dans les super. Voilà, ils font ça. Donc, la meilleure manière, c'est pas de surveiller, mais. Au fait d'amener l'enfant à comprendre aussi le danger qu'il risque et puis aussi faire de nos enfants nos amis, au fait. Mais en tout en gardant, au fait, si je peux dire, le respect, que chacun puisse connaître aussi sa place, au fait, leur montrer aussi l'éducation, mais se mettre à leur niveau. Ce qui veut dire quoi? C'est un enfant. Si tu dis, tu veux prendre toi ton statut d'adulte, ça serait difficile que vous deux puissiez vous entendre. Mais par moment, il faut te mettre à son âge, à son niveau et échanger. Et plus tu échanges avec lui, tu vas voir que ton enfant va commencer à s'ouvrir au fait à toi. Il y a les trucs qui va vite et dit aussi, ça dépend aussi. Il y a certains parents, quand les enfants viennent leur dire quelque chose, leur manière de réagir même, ça donne plus le courage à l'enfant. Ah, il y a le frère qui fait motion. Oui, Taïra, on t'écoute. Oui, donc okay. Je parle du même sujet. Moi, je suis un peu désolé sur le fait qu'il y a des gens qui se manifestent, qui disent que oui, c'est problème de mœurs et compagnie. Il y a des enfants qui sont sur TikTok, mais moi je suis désolé. À deux ans, j'ai déjà un smartphone dans la main. Franchement. À 2 ans. Donc c'est pas à 14 ans ou à 12 ans, tu vas leur dire que oui, il y a des enfants, c'est toi qui leur as donné le téléphone. Ouais. Donc moi c'est un peu voilà. Quoi, vrai, parce que à 2 ans, ils sont en train de regarder déjà les. Ils sont déjà. Non, c'est abusé quand même. Donc, je pense que s'il y a vraiment les parents sont inquiets sur ce qui se passe sur les TikTok, ils enlèvent le téléphone. À 2 ans, t'as pas à avoir un téléphone, t'as pas à avoir un smartphone. Tu vas au collège, t'as pas à avoir un smartphone. Je pense que on peut vendre des téléphones sans écran. Voilà, comme ça, tu peux joindre ton enfant, mais il n'a pas d'écran. Ok. Donc c'est un peu ça. Merci. Ah, le frère, allez-y, on vous écoute. Le frère est en train de parler à fait de 2 ans. Là, à un enfant de 2 ans, comment on peut lui donner? On peut lui donner un téléphone. On ne peut pas lui donner un téléphone parce qu'il est très petit. Bon, ici en Europe, ici, ça se fait. Le téléphone, c'est un autre. Non, ce qu'il dit là, tu sais, à 2 ans, là, déjà, l'enfant, il veut regarder les trucs sur YouTube. Nous-mêmes, les parents, même souvent, même là, quand on est trop occupé, là, genre, il faut qu'on mette des scènes, nous-mêmes, les trucs, va regarder YouTube le temps que j'ai fait quelque chose. Quand tu donnes là, l'enfant de 2 ans, maintenant, ça appuie les portables, je vous dis. Et toi, tu as mis des scènes animées. Quand tu vas aller quand tu vas prendre le téléphone dans sa main là, d'abord il est parti sur un autre compte là-bas où il entend les trucs des Chinois là. Vous voyez les trucs des Chinois un peu bizarre là. Il entend regarder là-bas où on ne parle pas français là. C'est vrai ce qu'il dit là. Le frère, vas-y, on t'écoute. Ok, je ne dis pas au fait le contraire non, de ce qu'il est en train de dire, mais bon, vu que ici, un peu, l'éducation d'ici, c'est un peu différent. Parce qu'il y a aussi des cas ici, là, d'une de notre maman, là, qui chaque jour, à chaque fois que
elle voulait se... Jaya voulait être un peu libre parce que son enfant la fatiguait beaucoup. D'ailleurs, il mettait le téléphone là, son téléphone à son enfant. Hein. Voilà, c'est ça même, c'est de ça qu'on parle. Voilà, mais à la fin là, aujourd'hui là, elle regrette. Tu vois, elle regrette parce que ça a mené son enfant au-delà de ses ententes. Voilà, ça l'a créé aussi des problèmes, un peu des difficultés avec son enfant. Et il y a aussi vraiment que, en tant qu'un mineur ne devait pas découvrir, mais. Il a fait la découverte et en tout cas, l'enfant est devenu autre chose. Donc, comme je disais, l'éducation, c'est vrai. Il y a certains qui ont dit que l'éducation, il y a d'autres qui ont dit que non. J'ai vu dans les commentaires là, que non, tu ne peux pas prendre ton enfant comme un ami. Et c'est un enfant, tu dois garder l'autorité. L'autorité, ce n'est pas le fait de crier sur l'enfant, non. L'autorité s'impose. C'est un caractère, c'est une attitude au fait. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui sont silencieux, mais ils sont autoritaires. L'autorité, au fait, tu vois. Mais on parle d'un dialogue. Je peux dialoguer, je peux rire. C'était... Il y a d'autres qu'on appelle, qui rient avec, qu'on appelle les parents. Mais il y a un niveau. Ils ont les limites. Ils ont les limites. Ok, voilà. Ok. Et ce que tu dis, c'est vrai, mais faisons attention. Vous savez, les enfants sont différents. Il y a les enfants, tu n'as pas besoin de parler. Il suffit que seulement que tu te fâches et l'enfant comprend tout de suite. Il y a des enfants, tu vas beau parler et ça ne va pas passer. Il faut les tabasser un peu souvent. Il y a les enfants, avec le dialogue, avec la complicité dont tu parles, ça passe tranquillement. Donc les enfants sont différents. Donc il y a ça aussi qui compte. C'est-à-dire un enfant qui est têtu, qui va à la chucote, si tu fais le dialogue, et que si tu fais, si tu veux dialoguer ou faire de lui ton ami, ça ne va pas passer. Et voilà. Donc chaque enfant, c'est comme dans une famille, tu vas voir que l'autre enfant, lui, tant qu'il ne voit pas la chucote, il n'étudie pas. Par contre, l'autre même, et tu ne lui dis pas, puis bon, il va étudier seul. Parce que c'est que papa aime les enfants qui étudient. Papa, si tu n'étudies pas, papa va se fâcher. Donc, chaque enfant est un peu différent, en fait. Donc, l'éducation, c'est en quelque sorte, c'est de savoir connaître son enfant. Puis bon, s'adapter en fonction de ces choses-là. Voilà. Exactement, ce que tu as dit, c'est ça. Chaque enfant est plus. Mais l'éducation, de quoi avoir l'éducation, c'est aussi les chicotes. Ça, c'est normal. Par moment, tu peux dire, c'est pas forcément que quand tu vas dire quelque chose sur le chat, ton enfant qui va écouter, par moment aussi, il faut le corriger. Ça fait partie aussi de l'éducation aussi, pour aussi le chercher à lui faire comprendre qu'il y a ses limites, ou un peu non. Donc ce que vous dites aussi, c'est exactement, parce que chaque enfant a son caractère, mais ça dépend aussi des bas âges, dès le bas âge, quelle est l'éducation qu'ils ont reçue, comment on les a pris, ouais non. Il y a certaines, par contre, il y a certains parents aussi, ils abusent avec le chicote, et que ça fait que l'enfant est habitué. Et lorsque, tu fais asseoir l'enfant, tu es en train de lui parler, mais tu n'écoutes plus, parce qu'il sait que tantôt, tout ce qu'il va faire là, maman ou bien papa va me frapper. Donc, il est habitué à ça. Tu comprends? Mais par moments aussi, quand tu joues aussi à son moral, essaie de causer à lui pour comprendre un peu sa mentalité, ses raisonnements, comment il raisonne. Ça peut aussi te faciliter aussi à son éducation. Ben non, ça peut aussi te faciliter à son éducation. Ok. Merci beaucoup, le frère. Merci. Qui n'a pas encore parlé? Après le baiser de Marie-Paul sur le tour de Nicapol. Je t'ai dit. Hein. Le frère, joli. Jolie mine, mais comment là? Jolie mine. J'ai déjà parlé, Tina. Ah, ok. Jean-Luc, vas-y alors. Bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Ça va ou quoi? Bonjour, ouais, ça va, merci. Au fait, l'histoire de Nicapol et quoi et tout ça là, au fait, comment on appelle ça? Mais les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec nos enfants. Ça dépend de l'éducation, tu vois. Moi, ce que moi, je voulais dire, ça dépend de chacun parent, de l'éducation qu'il donne à son enfant, tu vois. Donc, du coup, hein, le petit, il a fait son truc et tout ça, là. Il y a eu des soutiens, tout ça s'est passé, c'est pas tout, on peut dire sur les réseaux et tout ça. Moi, je vais pas montrer mon visage et tout ça. Laissez-le faire son buzz et tout ça. Moi-même, je vis en Europe ici. C'est pas pour dire, non, tu vois, genre, je suis quelqu'un, il est fin et tout ça, il n'a pas montré mon visage, mais moi, je suis très connu à Abidjan et tout ça. Donc, du coup, nous, on encourage le petit à faire son truc, tu vois. Ça dépend de chacun de nous, de l'éducation que on donne à nos enfants. Donc, c'est pas pour ça, les gens vont dire, ah, le petit, il est six, les réseaux, il monte les conneries et tout ça. Ça dépend à quel âge tu as donné un téléphone à ton enfant et tout ça. Nous, bien sûr, en Europe ici, l'enfant, il a 2 ans et tout ça, il a une tablette et il va sur YouTube et tout ça, mais... Si tu dis à l'enfant, il te comprend. Toi, tu es son enfant, tu tapes dessus. Et tu es son papa. Et bien, sa maman, tu tapes dessus et tu lui dis, ah,
ah, ne va pas là, c'est comme ça, et tout ça, tu suis tes trous, tu vois. Donc, du coup, c'est ça, quoi. Moi, j'ai pas trop de tout qu'à dire, mais avec l'histoire de Nick Capone, vous savez pas ce qui se passe. Nous tous, on le soutient. Donc, c'est tout ce que moi, j'ai à dire. Ok, merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. De rien, on est ensemble. Tu sais, je me suis abonné à toi, hein. Il y a longtemps que je suis. Attendez, ok, il n'y a pas de soucis. Ah, votre compte est privé, hein. C'est un compte privé. Et puis, le petit Nicapole, là, hein, il s'est pas laissé comme ça, parce que nous tous, on est derrière lui. Où je suis là même, hein. C'est parce que aujourd'hui, comme c'est le baptême de mon fils et tout ça, sinon, ce live-là, il a fait plaisir sur ce live-là. Mais c'est que hier, tu étais là-bas, là. Oui, bien sûr, je suis là-bas. C'est pas que je dis qu'il n'y a pas de femme et tout ça. Je suis marié légalement, je suis avec ma femme, puis on regarde. Moi, ma femme, elle n'est pas africaine. Bon, je fais tout. Il y a des enfants, il y a moins 4 enfants. Allô? Oui, allô? Attends, ne quitte pas. Je fais un truc. Ok, on va donner la parole au frère. Wandrou. Tu vois? Oui. Tu vois un peu la caméra? Vas-y, Jean-Luc, vas-y. Tu vois un peu? Là, tu vois, non? T'as qui? Est-ce que tu vois la cam? Je vois quoi? Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois même. Ok, ça c'est chez moi. Voilà, ça c'est mes enfants qui sont là. Voilà. Voilà, c'est chez moi. C'est pour que nous qui voyons. Voilà. Faut pas trop monter les enfants. Là. Faut pas trop monter les enfants. Faut pas trop les montrer. T'as vu? Voilà. T'as vu un peu, non? Ouais, j'ai vu un peu. Voilà, c'est pour te dire que laissez Nicapole, nous tous on le soutient. Voilà. Okay. Voilà. C'est pour te dire que donnez les éducations à vos enfants, c'est tout. Sinon, à faire Nicapole, laissez ça comme ça. C'est un réseau. Nous, on a commencé ça depuis fort longtemps et puis on a clôturé et puis on soutient le petit. Mais tu es en France, non? Moi, ouais, je suis en France. Ah, ok. Je suis en France. Joyeux anniversaire à la petite, en tout cas. C'est une petite fille. Ok, ouais, ça c'est ma fille qui est là. Ah, joyeux anniversaire à elle. Ok, merci bien. Et puis, bon courage à tout le monde. Que Dieu vous protège. Amen, amen. Merci. Voilà. La chose que je peux vous dire, priez, Dieu nous protège nous tous. Et puis, laissez le petit dans son mouvement, c'est tout. Ah. Mais seulement que donner l'éducation vous-même à vos propres enfants. Moi, mon enfant ne peut pas se mettre sur les réseaux antennes. Non, jamais de la vie. Ça dépend de l'éducation. Donc, bon courage à tout le monde. Et puis, merci de m'avoir laissé monter sur vos lives. Ouais, merci à vous aussi. Merci, Plaquette. Ok, merci. Bonsoir, Koussou. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, ma soeur, je voulais féliciter le monsieur qui vient de passer. En fait, ça, il se retrouve dans l'élément du petit. Mmh. En fait, ce qu'il a fait hier, là, il avait laissé un peu. Hein, mon frère? Donc, c'est un élément déclencheur dans ta maison. Yeah. C'est bien. C'est pour ça que vous, les hommes, vous aimez ce truc-là. Eh oui. C'est tout. En fait, je pense que là, avec ce qu'il vient de dire, je commence à comprendre pourquoi. Parce que personnellement, moi, je cautionne pas ça. Moi, mes enfants n'ont pas de téléphone. Mes enfants,